Bonjour à tous et à toutes, c'est Réception du jour sur YouTube. Donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne-là. Donc je suis assez content. Donc le but de cette chaîne, déjà je vais vous expliquer un peu le but, tout simplement, c'est d'essayer d'être en partenariat avec deux sites que j'affectionne particulièrement, donc que j'utilise assez régulièrement. Déjà la boutique officielle.com qui est très connue et urbancenter.fr qui est aussi elle mais pour d'autres choses qui sont comment dire qui sont beaucoup mieux pour ma part, qui sont beaucoup mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour les baskets, vous verrez ici là. Je ne suis pas collectionneur de basket, je suis pas vraiment beaucoup, enfin bon j'en ai assez pas mal pour sortir quoi. Enfin bref, c'est pas le souci des gens. Donc aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour une très 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 grosse marque en Amérique. Donc la Bra, en fait. Mais ce qui change de cette marque-là, c'est que cette fois-ci, on se retrouve simplement pour une marque qui a été dessinée par un rappeur US. Donc le rappeur Lil Wayne qui a tout simplement dessiné une autre manière futuriste, on va dire, de la marque Supra, en fait. Donc, ils ne sont pas concurrents, mais justement, ils sont de la pub chacun de leur côté. Lil Wayne fait de la pub à Supra dans ses clips, etc., etc. Mais Lil Wayne a voulu plutôt développer un côté justement futuriste, comme je viens de le dire, et d'un autre un peu plus sportif, genre en plus pour les basketteurs, ceux qui font du skate. Voilà, c'est un peu plus de ce côté-là, puisque lui, il est devenu adepte du sport, en fait. Donc il a voulu se créer sa propre marque. Et puis voilà, voilà, il y gagne aussi autant que la marque Supra déjà en elle-même. Donc voilà, je vais vous montrer la boîte. Donc voilà la boîte Spectre Supra. Donc Supra Spectre, Chimera, c'est la marque entière, qui a été dessinée entièrement par Lil Wayne. Donc cette chaussure, vous pouvez l'avoir en plus coloris, en coloris girafe, blanche et noire, noir et rouge comme je vais vous montrer maintenant. Vous avez, je sais pas pourquoi il y en a une de verte, il y en a une entièrement jaune. Donc vous avez que la boîte, elle est vraiment très en état parce qu'en fait, c'est sur ce point-là que j'étais vraiment vu. En fait, ils ont forcé à le mettre dans ma boîte aux lettres, en fait, et donc la boîte sert à déchiqueter, on va dire. Donc voilà, on va garder les boîtes en bon état. Donc on se retrouve là-dedans, en fait. On se retrouve là-dedans, donc avec une invité au spec marqué partout. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette chaussure avec les moines, etc., etc., les différents coloris. Je sais pas si je mettrai les différentes chaussures en photo, je sais pas, je verrai bien selon le montage que je vais faire. Alors, je sais pas si je vous ai parlé du prix, donc c'est 140 euros, vraiment, sur internet on peut la trouver, mais ça va être un petit peu plus sur d'autres sites et tout, mais en tout cas sur le site que j'ai acheté, donc urbancenter.fr, qui est un excellent site parce que vous ne payez pas les facteurs, et ça j'ai un plaisir parce que c'est très très bon, vous payez les achats plus souvent 10 euros moins cher que sur les autres sites. Donc voilà, on va se retrouver avec une basket vraiment très très sportive, très très belle, très beau design, comme vous pouvez le voir ici. Je vais monter un petit peu l'écran. Voilà, on se retrouve avec un arrière très très futuriste, pas habituel vraiment au basket. Voilà, on peut voir la marque Supra, dedans c'est écrit Spectre, vous ne le verrez pas malheureusement. Devant, vous avez aussi le logo Supra. C'est rembourré au niveau de l'intérieur de la chaussure. Il y a même un petit scratch ici pour que ça soit rembourré. C'est rembourré sur les côtés. C'est rembourré à l'arrière. C'est vraiment esprit sportif. Bref, ça fait penser à une autre marque de chaussures. Il y a Wheezy dedans, je crois. Il y a Wheezy Y, je crois, dedans. Je ne sais plus trop c'est quoi la marque entière. On l'a souvent comparé à cette marque-là, mais c'est vrai que Lil Wayne a bien géré parce que voilà, c'est vraiment une très très belle chaussure. Voilà, c'est noir et rouge. Donc maintenant que c'est ça, parce que je vous fais pendant le moment des soldes, vous pouvez la trouver à 110 euros sur Urban Center, tout en sachant que sur Urban Center, vous pouvez avoir des points de fidélité qui peuvent transformer en euros. Donc, étant donné que c'est les soldes et qu'ils l'ont mis à 111 euros, vous n'aurez pas de points de fidélité. C'est pour ça que je les ai pris là.
Donné, je ne sais plus comment ça fonctionnait encore à cette époque-là. Et voilà, bah, je l'ai découvert ce matin, quand même. Donc voilà, alors ça, ce que vous voyez ici, cette petite languette avec marqué Supra dessus, de côté, c'est en fait aussi la chose qui fait la différence avec la marque Supra, c'est que ça fait toute la différence parce que d'habitude, ça, on a tendance à leur tirer, mais en fait, il ne faut pas. Il ne faut pourquoi, je ne sais pas, me demandez pas, je ne sais pas du tout. Cette chose-là qui fait le style de la marque Supra et qui change aussi déjà pas mal. Alors, tout de suite, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne bah, sur les personnes. Ce que je vais vous dire, c'est pas pour dévaloriser la chaussure en elle-même, ça grossit le pied. C'est vraiment des chaussures de sport, vraiment basket, qui est vraiment bien arrondie par l'arrière, en fait, par l'arrière de la chaussure. Il y a vraiment quelque chose en plus, ça se voit, il y a vraiment quelque chose en plus au talon. Vous voyez, donc c'est vraiment très très belle chaussure, je suis vraiment content de cet achat-là. En même temps, fallait vraiment être sûr de ce qu'on achète, parce que pour le prix, fallait pas non plus. Enfin voilà quoi, donc, vous me comprenez. Donc voilà, on s'en prend à une magnifique basket. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur les pieds. À tout de suite. Ce que ça donne sur les pieds. Je suis vraiment désolé de la qualité parce que je fais pas la table. Les sous m'ont vraiment fait faire quand je suis enlevé pour cette vidéo. Je suis un site de vidéo qui va faire que ça a vraiment une très très bonne coupe pour ma chaîne. Enfin, pour le tout, c'est vraiment comment je peux dire et tout, voilà. Parce que, voilà. Je suis pas en arrière comme ça. Franchement, là, c'est 43. Pour tout type de taille, ma mère, par exemple, elle a essayé 37, c'est pour une taille. Ben, c'est son signe, vraiment, vraiment bien aller dedans. Donc, c'est vraiment qualité haute. Encore une fois, pour le prix, au moins, ça fait le fait. Mais vraiment, une chaussure, très très bonne qualité, très très bon contact avec le pied, vraiment style sport, showcase. Vraiment, c'est la nouvelle génération des baskets Supra américaines et vraiment superbe. Je suis vraiment très 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 content de les avoir. C'est encore une fois une édition très très limitée de cette marque-là. Ça vous tient très très bien les pieds. Les talons aussi sont très très bien marqués. Franchement, super. Moi, je vous conseille vraiment cette marque-là. Par exemple, plusieurs coloris de mes crédits, il y a le rouge, jaune, des trucs, il y a aussi avec des couleurs beach, donc je crois que c'est une carte de l'eau avec des dedans. En vrai, voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt. À très très bientôt. Pour une nouvelle vidéo, c'était pour la marque Supra Spectre Chimera de Lil Wayne. Je vous dis à très très bientôt les amis. Salut, bye bye.